Paul, qu'est-ce que vous faites là? Moi? Ben... je nage ici tous les mercredis. C'est pour ça que vous êtes musclé comme ça. Vous trouvez? Ben... c'est une musculature discrète, pourtant. Je pensais pas que ça se voyait. Si, quand même. Ah, ben, ah bon? J'ai un petit peu froid, je vais sortir. Bien sûr. Attendez! Vous voulez que je vous accompagne en voiture? Non, non, c'est gentil, je vais prendre le métro. Non, mais c'est ridicule, je dois passer voir mon père. Ah ben, dans ce cas, pourquoi pas? D'accord. Mais c'est des collégiens. 15 minutes à jouer, Lyon est toujours tenu en échec au Stade Gerland face à Benfica. Un but partout et on voit directement... Lyon, ils sont plus foutus de gagner un match. Vous aimez le foot? Ah oui, j'adore. Non. Mais Lyon, je m'en fous un peu. Moi, je suis plus pour Bordeaux. Non, c'est pas vrai. Ah bah si, mon père est bordelais. Ah bon? Il m'a emmené au stade quand j'étais petite. D'accord. C'était un peu les seuls moments d'intimité qu'on avait tous les deux, d'ailleurs. Au début, j'y allais juste pour être avec lui et puis je me suis mise à aimer ça de plus en plus. Et vous? PSG? Mais non, Girondins de Bordeaux aussi. Mais non. Si. Vous me charriez? Pas du tout. Vous avez des origines bordelaises? Non, 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 mais j'ai toujours aimé cette équipe. Je sais même pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est drôle. Ah ouais, c'est drôle. Le problème avec Bordeaux, c'est qu'on a vendu trop de joueurs cette année. Mais c'est clair, ils vendent tout le monde, ils rachètent personne. Ça m'énerve, moi, cette politique frileuse. Moi aussi, là. Ça me rend folle. C'est pas comme ça qu'on aura une grande équipe. Mais absolument. C'est vrai, quoi. Papa? Il est pas là? Il va pas tarder, à mon avis. En attendant, je vais vous montrer un truc, venez. Ah bon? J'hallucine. J'ai un peu honte parfois, c'est pas très féminin. Ah non, 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 je trouve pas... Oh, que nul, un peu. Ah, j'adore. Vous connaissez? Ah ouais, 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 très bien, ouais. Vous vous souvenez de ce passage à la fin? Ça me bouleverse à chaque fois. Quand Knul parle à Dieu, c'est sublime, non? Ah ouais, 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 c'est magnifique. Et la préface de Demian, vous vous rappelez de ce passage? Chaque homme est un sentier, l'esquisse d'un chemin. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres. Mais chacun ne peut être expliqué que par soi-même. Vous connaissez? J'adore. Vous le dites bien. Ah bon? Merci. Bon. Paul, vous savez l'autre jour quand je vous ai dit que vous m'étiez familier? Oui. Je vous ai dit ça parce que c'est comme si on avait vécu les mêmes choses, vous et moi. Avec mon père, c'est très compliqué. Il essaye pas du tout de me comprendre. Et j'ai l'impression qu'entre vous et Henri, c'est un peu pareil. C'est hyper dur. Ah, vous avez senti ça? Je me trompe? Ah non, 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 pas du tout. Enfin, avec un père comme ça, vous imaginez? Je pense que vous êtes pas assez ferme avec lui. Ouais, mais c'est compliqué. Il continuera à vous aimer. Il vous aime énormément, vous savez. Ouais, enfin, ça saute pas aux yeux. Mais si, c'est... Par exemple, quand il vous dit « n'attrape pas froid », pour moi, c'est sa manière à lui de vous dire « je t'aime ». Peut-être. Vous êtes d'une maturité, Constance? C'est pour ça que je me sens toujours en décalage avec les garçons de mon âge. Les hommes deviennent intéressants qu'à la quarantaine. Ouais, vous me dites ça pour m'être agréable. Je dis ça parce que vous me troublez.
Je vous plais pas? Non, si, beaucoup. C'est pas possible, je suis beaucoup trop vieux pour vous. Ah, mais j'en ai rien à foutre de l'âge. Des conventions, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Non, vous êtes folle, mais... Non, mais vous me trouvez quoi, au juste? Je vous trouve beau. Beau? Oh non. Attachant, rigolo, sympathique, mais beau. Vous partez? Oui, c'est mieux comme ça. Vous attendez pas qu'Henri revienne? Non, vous lui direz que je le rappelle. Attendez! Paul? Tenez, c'est mon numéro. Je préfère ne pas le prendre, je suis désolé. Ah, bon, tant pis pour moi. En tout cas, j'étais ravie de cette soirée. Mais moi aussi, Constance, ravie, hein. Et vous dire à mon père que je suis passé, que je l'ai attendu et que... Qu'il aille se faire foutre. Exactement. Ça vous embête pas? Je pense que c'est mieux si vous lui dites vous-même. C'est pas faux. Bon, je le prends, mais je vous préviens, je vous appellerai pas.